Coucou tout le monde, c'est My Little Romance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée et pour un nouveau trailer de drama du coup. Et aujourd'hui ça sera Make a Wish qui dure donc, le trailer dure presque 7 minutes, c'est des longs trailers, enfin c'est des pilotes je crois encore une fois. J'ai vu que c'était avec Fluke, donc qui est normalement en couple avec Home. Là j'ai vu que Home n'était pas dedans, donc voilà, apparemment il est avec quelqu'un d'autre. Sur la photo j'ai pas reconnu, je sais pas si je le connais ou pas, donc on va regarder le trailer et puis on verra ça. Oh, c'est un truc dans un hôpital. Les trucs dans les hôpitaux j'aime bien sauf quand ça se termine mal. Hashtag dire docteur. Ok. Ah bah on croirait pas que t'es un médecin, hein, franchement. Le mec est docteur, il arrive en mode stylé, frère. Ok. Oh mon dieu. Ça fait flipper. Je suis dans l'infirmière qui doit se dire pourquoi il marche comme ça lui. เทวดาต้นโพศักดิ์สิทธิ์มีพลังมากรูปงามไม่ว่าผีหรือเทวดาตนไหนเห็นก็ต่างชื่นชมเลยว่ะใช่ผมนั่นแหละ. Mais d'où tu te retournes, tu fais 4 pas. T'étais pas aussi près, c'est pas vrai. Oh mon sang. Oui, voilà. C'est bien. มันพอมีวิธีอยู่วิธีไหนล่ะครับคุณต้องหาร่างมนุษย์มาให้ผมได้สิงสถิตก่อน. Ok. Du coup au final est-ce que c'est Fluke et le mec ou est-ce que c'est lui et le mec? Bonne question. Alors lui il a l'air d'être déjà mort. En même temps l'autre c'est un ange. Je sens que ça va nous faire un coup comme dire docteur. Je sens arriver gros comme une maison. Franchement par contre je comprends pas les trucs où tu tombes amoureux de quelqu'un sans que ce soit réellement cette personne là après tout. เทวดาครับเรามาทําภารกิจนะครับไม่ใช่มาเดินแฟชั่นโชว์รุ่นนี้เนี่ยนะต้องแต่งตัวนําถ้าไม่นําทําภารกิจไม่ได้ความรักเป็นสิ่งต้องห้ามของเทวดาผมรู้นะแต่ถ้าความรักมันดีจริงนะมันก็น่าคุ้มที่จะแลกไม่ใช่หรอครับ. ร่างกายของผมตอนนี้มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กับหมอภูมิผมควบคุมมันไม่ได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกนี้มันใช่ความรักไหมหรือมันใช่ความรู้สึกของผมจริงหรือเปล่า. Tu reprendras ton corps, mais t'es mort. Non? Ouais, voilà. Une
จะต้องทำให้เทวดาตนนั้นต้องสลายหายไปงั้นเหรอถ้าผมไม่เห็นผีแล้วผมก็ไม่เห็นคุณแล้วงั้นหรอ Juste si tu vois les fantômes que quand t'as tes lunettes de soleil, pourquoi tu les enlèves pas juste le reste du temps? Voilà, point. Bon, je pense que c'est Fluke du coup et lui. Mais on fait pas ça! On n'arrête pas comme ça en plein milieu. Ça, c'est le moment où tout le monde va être dégoûté. C'est parce que c'est ça qui fait que les gens peuvent voir. Oh, j'aime pas les battements de cœur dans les trucs. Chop len da. Chop len da. Chop len, chop gang, chime. Chime. Chop len, chop gang, chime. Ben voilà. Alors, du coup, ça fait bizarre de voir Fluke avec quelqu'un d'autre que Home, mais bon, je pense que c'est un repas que j'ai envie de voir quand même. L'histoire a l'air pas mal, j'espère juste que ça va pas mal se terminer. j'ai horreur des histoires qui se terminent mal et Dear Doctor, par exemple, alors, si vous l'avez pas vu, je vais vous spoiler juste un petit peu, ça se termine mal, voilà. Point. Alors, disons que ça se termine bien, quand même, mais l'histoire est super triste, enfin la fin en réalité, même si ça se termine bien quand même, c'est super triste quand même. Et du coup là j'espère vraiment que ça va pas faire ça. Alors les autres acteurs, je crois les avoir déjà vus quelque part, mais j'arrive plus à me souvenir où. Si celui qui est mort et dont Fluke prend le corps, je crois que je l'ai vu... dans tout le monde, dans Genai, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Et les deux autres acteurs, je crois les avoir vus quelque part, mais je sais plus où, à moins que je me trompe de personne. Donc en réalité, la seule personne que j'ai reconnue, c'est Fluke. Et donc le drama a l'air intéressant. S'il se termine pas mal, ce sera un bon drama, je pense. Maintenant j'ai hâte de voir ouais, comment ça se termine parce que vraiment c'est le genre d'histoire que j'aime bien, les histoires un peu avec des romances mais avec des fantômes aussi etc. Mais en général c'est les histoires qui se terminent pas super bien parce que du coup c'est un corps qui est déjà mort. Et Fluke est un ange qui normalement n'a pas le droit d'aimer quelqu'un. Normalement, tu es un ange, tu rêves, tu es là pour une mission sur Terre. Et un peu, c'est un peu comme Joséphine Ange Gardien, après tu repars, tu vois, c'est comme ça. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait pas être trop long à attendre, parce que je crois qu'ils avaient dit que ce serait début, enfin premier trimestre, quoi. J'avais vu quelque part, il me semble que c'était premier trimestre qui devait sortir, mais écoutez, on verra bien.
Ouais, du coup c'est un drama que j'attends et que j'ai hâte de voir. Et puis comme le trailer est déjà sorti il y a 2 ou 3 mois, donc je pense que en général quand ils sortent le pilote, c'est qu'ils devraient pas tarder à commencer à tourner, je pense. À moins pour certains comme on a pu le voir plus tôt dans le mois. mais voilà. Bon bah écoutez, du coup c'est tout pour cette vidéo. Demain on se retrouve pour la prochaine. Et puis bah écoutez. Je vous embrasse, je fais de gros bisous et à demain. Bisous, bisous.